Gentil Sibomana, acceptes-tu de prendre Bernard Valcourt pour époux et de lui jurer fidélité jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui. Tout le pays est en train de sombrer à cause de la lâcheté de gens comme vous. Moi, je crois que c'est à cause des humanitaires comme toi qui se remplissent les poches avec nos misères. Je parle avec toi ou je parle pas? T'as envie de te faire tuer? Les casques bleus sont en bas. Le convoi part dans 15 minutes. C'est votre dernière chance. Ça va, les filles. Ils vont me laisser passer. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, monsieur Bernard. Personne ne le sait. Il y a peut-être 5 000, 10 000, 15 000 morts. Il n'y a personne qui sait. C'est peut-être mieux que tu ne saches pas la vérité. C'est toi qui me dis ça. Avant toi, j'étais mort. Tu m'as sauvé la vie. Quand t'en auras assez de souffrir, tu me le diras. Tu peux partir comme un petit oiseau. Et si les casques bleus étaient intervenus, ben ils les auraient tous fait sauter. Hugo, pute! Pute toi-même! Vous êtes venu pour me tuer, alors allez-y! Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que tu fais ici? Cher gentil. Je t'aime. Ceux qui désobéissent peuvent changer le cours de l'histoire. Je ne suis pas venu au Rwanda pour faire l'histoire. Il n'y a personne qui veut savoir ce qui se passe. Pourquoi tu restes? Parce que les mots, ça suffit pas, ça. Ça prend des images pour arrêter cette folie-là.